こんにちは、皆さん、フィリピンからのクリスのチャンネルへようこそ。ご覧いただきありがとうございます。For today's reaction video, I am watching Bebe Chan channel. French parents were surprised by Japanese education. では早速、始めましょう。Montre un peu l'éducation des enfants au Japon. Il y a 4 vidéos. Il y a côté ludique en plus. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est bien. Ça. C'est un truc du mal. Tu vois pas en fait. Et surtout, ne changez rien. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, très bien. Bien toi. Vous avez des belles lunettes. Ah oui, c'est les lunettes pour voir de loin, pour la télé. Et pour me voir moi de loin aussi. Ah ouais, parce que de près, les. Et donc aujourd'hui, je vais. En fait, c'est la première fois que je suis pas avec vous sur. Ouais, ouais, ça nous manque. Oui, oui, tout à fait. Tu nous manques. Tu penses que ça va marcher? Tu penses que ça va marcher? Non, je pense que ça ne marchera pas. J'espère. Si ça marche, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo avec un ami à moi, où même moi j'ai découvert des vidéos pour montrer un peu l'éducation des enfants au Japon. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très rigolo. Donc je me suis dit, ça va vous intéresser, vous qui avez eu 5 enfants. Ben oui. Je vais vous expliquer au passage à chaque fois, et surtout, dès que vous avez un petit commentaire, un truc à dire, je ne sais pas à dire quoi, voilà. Donc je pense qu'on va commencer maintenant. Il y a 4 vidéos. D'accord. 4 vidéos. Ah bon ? Alors, voilà. I'm a subscriber. Au Japon, dans toutes leurs écoles, ils ont leur piscine dans leur cours. Ah oui, ah oui. Wow. Et donc, tous les ans, il y a le moment où il faut nettoyer cette piscine. They're the one cleaning the swimming pool too. On a un rôle. C'est ça, c'est wow. But it's a lot of fun cleaning with your friends. リレーで組み取る作業。嘘。1時間半ほどでプールの底や側面が綺麗になっています。わあ。そう、すごい。掃除を終えて全校のみんながプールを泳げるように掃除することと5年間お世話になったプールにありがとうという気持ちを込めて。 掃除をすることです。水泳の授業の目標を聞いてみました。クロールを25メートル泳げるようになりたいです。水泳大会に出るようになりたい。一番早い。What a big pool! あがた先生の授業は6月4日から。 C'est bien parce que c'est une occupation. Hein. Ouais, c'est bien. Ouais, il y a du monde. Hein. Mais ils sont contents. Ouais, c'est en ça fait, que... personne ne rechigne. Ouais, ouais, hein, ça, parce qu'ils sont habitués, je pense, c'est dans leur éducation. Et ils participent à leur vie de l'école, je trouve, par rapport à ça. Ouais. Ce qui permet aussi d'être plus respectueux parce qu'ils savent que si ils salissent, s'ils font n'importe quoi, c'est eux qui nettoient. Ou c'est les copains. Et ça, je trouve que c'est très, très instructif et ça apprend aussi à respecter l'environnement et tout ce qui. Dont tu profites, et comme elle disait justement la petite fille, c'est une manière aussi de remercier la piscine en quelque sorte, mais aussi l'établissement qui fournit une piscine et qu'il faut en prendre soin parce qu'on en profite. Je trouve que c'est bien. Ouais, moi je vois aussi autre chose, mais ça c'est quelque chose qui doit démarrer dès cet âge-là, c'est que c'est des groupes. Une unité, tu vas dire. C'est une unité, mais même dans la. C'est un peu ce qu'on dit des Japonais en général, l'identité personnelle passe après. J'ai l'impression. Là, c'est une classe. Tous ensemble, c'est une classe. Oui, c'est une classe. Bon. Non, mais t'as une uniformité quelque part. Oui, il y en a pas. C'est vraiment un groupe. C'est ce qu'on peut voir parce que. Bon, Et moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'on le sent, ils prennent plaisir, ils s'amusent. Ouais, c'est ça. Ils s'amusent. On voit déjà, moi, je trouve ça comme quoi tous les enfants du monde sont pareils. Les garçons sont plus dans la compétition. Tu vois, le jeu, plus après, les filles sont plus posées. Mais elles font. Mais tout le monde. Mais ça travaille bien quand même. Everyone has fun. Ouais, vraiment, c'est bien. Mais c'est une bonne mentalité, travailler ensemble et pour garder l'intérêt commun. Ouais. Vous êtes beau. Ouais. C'est vrai. Qui c'est le plus beau? On fera un concours. Alors, Team Papa. Amazing. Team Papa, Team Maman. Alors. Mais elle est belle aussi. Hein. Ouais. Aussi. Attends. Les enfants faire du volontariat autour de l'école. Ah, autour de l'école, hein. C'est pas aussi. Hein. Exactement, pour nettoyer la rue. En fait. Wow, ils des voilà, volontaires. Enfin, toujours pareil, hein, la classe entière. C'est bien. En uniforme, hein. Du bénévolat. Cleaning the streets. Ils ont beaucoup de respect pour leur. Junior high school students. Pour leur structure, pour les gens qui.
qui vivent autour, c'est sûr que c'est pas ça du tout. Non, c'est surtout, voilà, mais c'est cette volonté, voilà, de vouloir entretenir le bord de l'école, par bénévolat en plus. C'est ça, c'est comme ce qu'on disait avec mon pote aussi. Enfin, c'est quand même très propre dehors. Bah, c'est rare de voir des... Non, mais sincèrement, quand tu vas au Japon, bon, il y a enfin un été, c'est rare de voir des rues sales, des papiers, des crottes de chien, tout le monde respecte. Tu vois pas ça. C'est... Est-ce que tout le monde ne respecte pas par ceux, quand ils étaient enfants, peut-être qu'ils ont eu cette habitude. C'est peut-être qu'il y a... Oui, tout à fait, peut-être. Enlever là les mauvaises herbes devant les caniveaux pour pas que... Oui, il y a ça, puis il y a la culture aussi. Là, et oui, mais la culture, elle vient... Non, c'est l'éducation. Oui, tu as l'éducation parce qu'il y a une culture qui existe au départ, hein, c'est-à-dire que... It's the culture of Japanese people. C'est chouette, Mais ils prennent toujours du plaisir, c'est ça qui est marrant. Mais c'est ça, Junior high school, right? Parce que, comme disait papa tout à l'heure, ils sont de l'unité. C'est quelle classe, là? Ils sont grands, là, c'est lycée, au moins. Ouais, je... Very well disciplined Japanese. Alors juste pour revenir parce que bon, voilà vraiment bien, c'est le coup de l'uniforme. Ouais. C'est vrai qu'en France, il n'y a jamais eu d'uniforme. Même quand même plus jeune, sauf dans les écoles, certaines écoles privées. D'accord. Ok. En revanche, nous, autrefois, on avait la blouse. Blouse que tu mettais par-dessus. Par-dessus tes vêtements. Ça, c'était pas. Gommer un peu les signes extérieurs de richesse. Voilà. Ouais. C'était pas pour pas salir ou quoi. C'était bon. Oui, tout le monde soit habillé. Voilà. Et je trouve que aujourd'hui, il y a une polémique entre guillemets. En fait, il y a beaucoup de gens qui demandent l'instauration de l'uniforme. Tout le monde pareil. Et après, tu t'habilles comme tu veux dehors. Ouais. Voilà. Maintenant, d'autres disent que non, parce que même avec l'uniforme, ça ne cache pas les différences, que ça va sur autre chose. Je sais pas. C'est un vrai sujet quand même, est intéressant, parce que je trouve aussi que ça apprend aussi. Tu vas pas à l'école habillé n'importe comment. Ouais, c'est sûr, ouais, c'est vrai. Moi, c'est vrai que je suis pour la liberté du monde, mais l'école, c'est quand même un lieu où tu as du respect, normalement. S'habiller d'une certaine façon, ça apprend aussi, voilà. On respecte des codes, et même le code vestimentaire. La même façon que, bon là on le voit pas, mais j'avais, quand on avait été au Japon, les enfants, quand il y avait des codes, ils ont tous les mêmes cartables. Exactement, ça, je trouve ça bien aussi. Ce que je remarque dans les vidéos, et ce qui est le plus important, c'est cette tendance à vouloir aider les autres à travers cette unité de classe, ce groupe, le sens de la communauté, que nous on n'a pas automatiquement à ce niveau-là, tu vois. Dans c'est l'harmonie aussi, d'une certaine manière. C'est l'harmonie. On vit ensemble, c'est une façon de se respecter. C'est ça, c'est le bien vivre ensemble, ce qui se perd en France, le bien vivre ensemble. Allez, là on nettoie sa classe. Exactement. Inside the classroom. Très, très bonne méthode, ça. Wow. Et en même temps, tout le monde participe, c'est ludique. C'est ça, chacun. Et là aussi, c'est eux qui vivent dans leur école, donc dans leur Everyone classe, is working. C'est que nous, each and every one of them. C'est que nous, à partir du collège, parce que là, ils doivent être vers le collège. No one is just on change de sitting classe. Around. Ah, eux, ils gardent une classe. Alors, pour eux, ils doivent en prendre soin. Et ça, c'est les mêmes. C'est ce que nous, à l'école, c'est ce qu'on était dans le temps. D'accord, c'était ça. Même au lycée. Les professeurs qui changent de classe. Même au lycée. Il n'y a que pour les cours de physique, chimie, quand tu avais besoin en laboratoire. Mais tu avais toujours la même classe et c'est les profs qui se déplaçaient. C'est nickel par terre aussi, c'est ce qu'on disait aussi. Wow. Mais voilà, c'est ce qui est très bien. Bon, moi j'étais dans une école. Clean floors. Mais là tout le monde participe, les garçons comme les filles. Hein. Ouais, tout le monde fait le ménage. Hein. Mais moi, ça, jusqu'en terminale, donc jusqu'à j'ai 17 ans, je sors du lycée, c'est nous qui nettoyons nos classes. D'accord. Voilà. Il y a deux choses. On nettoie des classes. Toi, je suppose que tu as connu aussi, on cirait nos tables et on jouait. Ouais, bien sûr. Parce qu'on prenait le chiffon et on tirait chacune et c'est celle qui tirait. On rigolait, on s'amusait et on nettoyait. On passait le balai, on nettoyait les tableaux. Donc voilà, en tous les cas, c'était comme. Maintenant, c'est terminé. Mais alors, pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On a ce qu'ils appellent les femmes de ménage, qui viennent. Donc là encore, si tu veux, tu fais tomber, tu renverses un truc par terre, c'est dégoûtant, attends, tu vas foutre de la poussière. C'est des classes, je dirais des petites classes, c'est pas. Et je pense pas que les plus grands font la même chose. Si, je pense. Oh mais non, mais c'est fini maintenant. Non, mais pourquoi ça a disparu? C'est ça que je veux dire. Pourquoi ils le font plus? Pourquoi ça, puisque ça se faisait, moi je l'ai connu. Parce qu'en plus, ça, même si tu prends une des femmes de ménage, c'était compliqué. Non, mais même là, je pense pas que ça soit dû aux enfants eux-mêmes. C'est parce que c'est peut-être l'éducation nationale qui a dû dire on va pas faire faire ça aux enfants, c'est pas leur rôle. Oui, c'est ça. C'est là où j'ai l'éducation à changer. On n'a pas à utiliser les enfants pour faire ça. C'est ça, moi je pense que ça peut être ça. Leur armoire. Ah oui, ils ont des petites armoires pour mettre leur uniforme, évidemment. Ouais.
ranger leurs affaires. T'as vu, ils ont tous les mêmes chaussures aussi. Ouais, parce que, le sport, pour les tenues de sport aussi, je vois, ça c'est des tenues de sport. Ouais, pour aussi... Tout le monde est pareil. En fait, à l'intérieur de l'école, tu vas avoir des sortes de chaussons. That's why Japanese people are very organized. Aussi, tu vois. Pas ça se voit, ils ont tous les mêmes chaussures déjà. Les toilettes aussi. They don't have janitors. They don't have janitors in school. C'est une révolution dans l'école. Mais ça aussi, c'est important, les toilettes, parce que quand je vois, tu vois, nous, je vois les... They are the janitors, the students are the janitors. C'est sale. On les voit nettoyer le sol, tu vois pas les latrines. Ça m'étonnerait pas. Je sais que les gens m'avaient dit que si, et que c'est tous les jours, ils font tout ça, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un temps de... C'est sûr que ça, c'est un truc qui doit être... Parce qu'au moins, chacun, là aussi, va pas faire n'importe quoi. C'est vrai, quand tu vois les petites, elles veulent pas aller aux toilettes, parce que c'est sale. C'est dans leur classe. Oh, they're even serving their own. Leur petit uniforme, c'est mignon. Food, cute. La professeure mange avec eux. Oui, c'est ça. Ils sont à la même table, ils mangent ensemble. Ça, vous m'aviez expliqué, ça, c'est bien, ça. Oui, ça se transmet après, plus tard, quand tu me disais que le personnel allait souvent boire un coup avec le chef de service, après le travail. Oui, c'est ça. C'est un truc qui gomme un peu aussi. Il n'y a pas de distance avec le prof. C'est ça. Alors que pourtant, au Japon, on pourrait croire, parce qu'ils ont quand même... Il y a la hiérarchie. Et moi, je me rappelle qu'à l'école, bon, déjà, moi, j'ai jamais nettoyé ma classe, nettoyé même rien. Enfin, les profs, ils mangeaient dans une salle spéciale ensemble. Spéciale. Et puis, ils mangent pas la même chose en plus. Ils avaient du vin et tout. Oui, tout à fait. Ouais. Ah, la cantine, voilà. Ça, c'est sympa. Ça. La cantine, après. Puis je vois les trucs sont asséchés derrière, je vois il y a un étendoir aussi à un des clés. Ils mangent ensemble. Elles mangent la même. C'est sympa de voir au-delà. Et en plus, tu vois, ils se confient plus, oui. Non, c'est ça, c'est le confidence, c'est-à-dire leur confiance en soi. Ah, leur confiance en soi. Ça augmente leur confiance en soi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils arrivent à faire quelque chose. Oui, c'est confidence. Pour les gros trucs, ils vont quand même avoir de l'aide. Mais tu vois, ils travaillent ensemble, c'est bien, ils les voient travailler. Pour parler de mon expérience de cantine, j'ai connu ça aussi. Et donc, il y avait une dame de cantine qui apportait la gamelle. Ouais. Et alors, on était, je pense, 10 ou 12 par table, c'était une grande table. Et chaque semaine, il y en avait une qui faisait le service. Et après, il y avait, on était deux, je crois, qui débarrassaient. Et on lavait nos assiettes. D'accord. Et il y en a l'autre qui les essuyait. On faisait notre... Ah, je te jure, hein. C'était bien. Et moi, j'ai connu ça. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais chez les sœurs? J'étais en école privée, c'était chez les sœurs. Est-ce que c'était comme ça en école publique? Je sais pas du tout. Ouais. C'est possible aussi Ça m'étonnerait pas, je trouve ça marrant. Tu vois, l'avantage d'avoir, quand tu es plus petite, d'aller à la cantine, faire tous ces travaux comme les... Mais voilà, tu savais... C'est qu'aujourd'hui, par exemple, c'est encore toi qui fais la vaisselle. Et moi, comme j'ai jamais été à la cantine, je sais pas. Je sais pas faire la vaisselle, donc je lui laisse faire la vaisselle. Elle est heureuse. Oui, ça me rappelle ma jeunesse. Vous voyez, comment toi, rendre votre femme heureuse? T'aimerais bien faire, laissez-lui faire la vaisselle. Il l'a jamais appris, il sait pas, Ah, mais je sais pas. Ah, mais je sais même pas où ranger les affaires. Oui. Ah, je sais pas. C'est dommage, ça te rend triste. Bah, c'est à cause de mes parents qui m'ont jamais envoyé à la cantine. Exactement. Mais bon sang. Mais... Hein. En revanche, c'est une génération, maintenant les choses ont changé, mais il est vrai aussi, je pense. Moi, chez mes parents, c'était un peu comme ça. Les garçons en faisaient moins que les filles, qui étaient sans. C'est normal, nous, il faut Oui, c'est ça. Les idées, la réflexion, c'était nous. Mais je me demande, j'aimerais bien demander ça aux Japonais, s'il y avait cette différence-là, filles-garçons à l'école. Oui, c'est ça, je sais pas. Je sais qu'il y a au Japon aussi des cours de cuisine. Oh, ça, c'est bien. Que les garçons, autant que les femmes font, pour apprendre à faire des bases de plats. Mais c'est bien que tout le monde apprend, c'est des bases. L'appétence et l'appétit. Je trouve ça bien, c'est des bases qui servent. Et comme elle disait très justement la professeure, là, c'est des choses déjà pour apprendre la confiance en soi et savoir s'adapter à toutes conditions. Non, mais en France, on a plus d'imagination pour éviter de faire quelque chose que d'imagination pour créer quelque chose. C'est parce qu'il y a un manque de discipline aussi. Là, même en maternelle aujourd'hui, t'as déjà des problèmes. Les enfants, entre les petits de maternelle. Ouais. Déjà, si on n'arrive pas à avoir d'autorité sur des maternelles, mais qu'est-ce que c'est l'adolescence?
Oui, parce qu'on a, on a laissé. Tout, on a lâché. On a... Il faut s'exprimer librement, il ne faut pas... Puisque toute autre chose, on a vraiment, par rapport à toutes les cultures qui se mélangent, on a un problème d'intégration. On n'a pas réussi à intégrer les gens pour faire groupe. Comme, bon, au Japon, ils n'ont pas le problème d'intégration, peut-être. Ils font groupe d'eux-mêmes. Mais nous, on a un problème d'intégration aussi. Ce qui fait qu'on a du mal, on confronte des cultures se confrontent, mais avec violence parfois, tu vois, aujourd'hui. Ouais. En France, l'école est étatisée. C'est l'État qui s'occupe de l'éducation, il y a un ministère. Personne n'acceptera aujourd'hui de payer. Qui paye l'uniforme là? C'est l'État c'est... ou c'est chaque... C'est chacun. Ah, c'est alors, les parents. On ne pourra pas imposer aux gens, en plus de payer. Ouais. Tout. Donc ça, c'est à l'État de payer pour tout le monde. Et là, il y a un problème de financement. Parce que l'école est payante aussi. L'école est payante, il n'y a pas d'école gratuite au Japon. C'est ça. En France, par exemple, l'école est gratuite jusqu'en terminale. L'université est gratuite. Et je pense que beaucoup de Français pensent que c'est partout pareil. Et là, non, c'est spécifique à la France. Et c'est quelque chose, c'est un budget énorme, et notamment au Japon. Moi, je trouve ça vraiment très bien pour, sur ce système d'école. Les uniformes, la participation aux tâches ménagères et à la cantine, et surtout ne changez rien. Ouais. Parce que nous c'était comme ça avant, et malheureusement c'est ce qu'il y a. Alors, il n'y a pas que ça, bien entendu. Je trouve que les enfants sont beaucoup moins responsables par rapport à ça et beaucoup moins solidaires et autonomes. Essayez de garder votre truc. D'accord. Team maman. Team maman, allez. J'aurai que un team maman dans les commentaires. Merci d'avoir participé. Merci, avec plaisir, avec plaisir. Tu as été vachement bien. Franchement, team maman, elle était. Team maman. Je suis fière. Je suis fière de toi. Merci. Et, team papa, et à bientôt. Et à bientôt. Bonne suite, enfant. Allez, on fait ça, tiens. Non, mais c'est de sa faute, il avait qu'à aller à la cantine quand il était. Exactement. Mais voilà. Tu feras la vaisselle ce soir, tiens. Ah non, voilà, je sais pas comment faire. Je t'apprendrai. Mais on a de la vaisselle maintenant. Bon, alors ça. Bon, allez. Allez, à bientôt. Allez, ciao, ciao. See you soon. Bye bye. Et abonnez-vous. Voilà. Oh, thank you so much for the video. Amazing, right? Amazing Japanese culture. It's unbelievable. It's only in Japan. So I would like to thank Bebe-chan channel for this fun video. His parents were very sweet. What a cute couple. It's amazing how they teach children in such a young age how to be a well-disciplined individual, to be a responsible student. For young people like them, I think it's a big responsibility because children are supposed to have fun and play with their classmates. Well, I say this because in Philippines, we don't do household chores. It's always our mom or helpers. But in Japan, children are the ones cleaning the swimming pool, cleaning their classrooms, serving their own food, and cleaning the plates. And also cleaning toilets. In the Philippines, we have janitor, janitress, we have canteen attendants. That's why most of Filipinos are lazy doing household chores. I hope every nation is like Japan. It's truly amazing. Well, anyway, again, thank you so much to Bebe-chan channel for this interesting video. And to all my viewers, 一緒に見てくれてありがとう。皆さん気をつけてまたね。